s'il n'y a pas de risque. Oui. Vous pouvez, ceux qui prennent un café, vous pouvez prendre le café et le boire également à table, sans souci. Voilà, je propose qu'on démarre, en réalité. La présentation, peut-être. Combien de temps on reste sur scène ? 20 minutes en tout. 20 minutes en tout, d'accord. Nickel. 6. Bon, ok. Et après, on peut... Okay, et puis après, on peut se poser. Bonjour, on y va ? C'est parti. Je vous invite à vous asseoir, s'il vous plaît. Hop, on va démarrer, hein. Asseyez-vous. Pour les slides. C'est vous qui voulez changer ? Oui. Non. C'est bien. Je dirais que j'ai 12 ans. Là ? Il faut mettre la première slide. C'est bon. Bonjour à tous. Merci d'avoir eu le courage de participer à ce track marketing agile. Merci à Laurent Mocor, directeur général de Mati, et à Katia Ersar, directrice marketing de la FNAC, d'avoir accepté de témoigner de leur grande expérience et de leur grande agilité dans le marketing. Voilà. Je m'appelle Romulus Grigoras, je suis fondateur et président de Devatix. Devatix, c'est une entreprise qui développe une technologie de ciblage temps réel. Le logiciel est capable de suivre les internautes sur un site web et de leur apporter une réaction en temps réel, en les guidant, en les rassurant, en les motivant, un petit peu comme un bon vendeur le ferait dans une boutique physique. Aujourd'hui, on a choisi de débattre du marketing agile. Pourquoi le marketing agile ? Mais on vit dans un monde qui est un peu compliqué, on essaie de sortir d'une crise économique qui est un peu dure, on a besoin d'avoir un time to market de plus en plus court, de suivre bien nos performances, d'avoir un ROI rapide, et puis en même temps, vous avez des internautes qui sont de plus en plus compliqués aussi, ils sont assez volatiles, ils communiquent avec votre marque à travers plusieurs points de contact, donc il faut aussi suivre les tendances, les modifications de leur comportement. Et pour illustrer un petit peu ce besoin d'agilité, j'ai cherché un exemple. Souvent, on donne des exemples des États-Unis, puisque c'est un petit peu là où on voit ce qui va nous arriver dans quelques mois ou dans quelques années. Je ne sais pas si cet écran noir de la CBS vous dit quelque chose. Les 70 000 spectateurs de la finale du Super Bowl américains, ils s'en souviennent certainement, ainsi que les millions de téléspectateurs. Pendant plus de 30 minutes, le stade il a été plongé dans le noir par une panne de courant gigantesque. Et donc pendant tout ce temps-là, les gens ils étaient là, ils ne savaient pas trop quoi faire, ils attendaient à ce que le courant se remette. Et puis, en chiffres, 4 millions, c'est 4 millions de dollars, c'est le prix du clip de 30 secondes de publicité pour le Super Bowl. C'est la somme la plus importante jamais payée pour un Super Bowl. Un événement, qui c'est qui a gagné ? Bon, sur le terrain, c'est Baltimore qui a gagné. Du point de vue du marketing, c'est une boîte qui n'a pas payé les 4 millions de dollars qui a peut-être tiré son épingle du jeu. Oreo, qui vend des cookies, des petits biscuits, a été capable de pousser sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, en quelques minutes seulement, une campagne virale qui encourageait les gens à consommer leurs petits cookies, même dans l'obscurité. Okay ? Donc bravo à l'équipe
d'Oreo qui a été capable de, d'une grande agilité. Donc ils ont été, ça a été possible de concevoir, de développer, de pousser très rapidement pour exploiter l'instant, pour exploiter l'événement, parce que sinon ça aurait été trop tard. Donc l'agilité, c'est important aussi pour réagir à des événements structurants du marché, de profiter des opportunités qu'il faut saisir de suite. Alors, comment est-ce qu'on peut définir le marketing agile ? Il existe un groupe de marketeurs aux États-Unis qui nous a proposé un manifesto pour le marketing agile, et il propose de le définir comme répondre au changement plutôt que suivre un plan de longue durée, de faire des itérations rapides sur les campagnes marketing plutôt que de suivre de mettre en place des campagnes très importantes, d'être très orienté expérimentation, données, observer ce qui se passe plutôt que se baser sur des opinions ou sur des intuitions, faire des expérimentations simples plutôt que des choses compliquées, privilégier la personnalisation, le ciblage, parler à chaque consommateur individuellement si possible, et puis du point de vue organisationnel, essayer de mettre en place les process, les structures pour éliminer le complexe du silo. Okay ? Donc, ce que je retiens d'ici, ou la manière dont je structure peut-être la définition du marketing agile, c'est à la fois de la technologie, il faut avoir de la technologie pour pouvoir pousser des campagnes agiles facilement, mais aussi un aspect organisationnel, avoir une coordination des équipes pour rendre possible cette agilité. Alors, les technologies. Bon, nous avons des sites web qui sont de plus en plus sophistiqués. Aujourd'hui, on peut déployer par-dessus les sites web qui existent, grâce à un simple tag JavaScript, de multiples solutions de marketing. Devatix propose, par exemple, et mon entreprise, de déployer très facilement des campagnes de type second skin pour habiller le site, seconde peau, complété par un côté comportemental, temps réel, ciblage. Voilà. Et un exemple de ce que ça pourrait donner, un exemple d'un marchand suisse de bijoux. Vous observez ici la page d'accueil initiale. En quelques heures, les équipes de Oresh, sans développement informatique interne, juste en utilisant donc une solution de type second peau, a réussi à modifier le carrousel de la page pour mettre les têtes de gondole, a poussé une vidéo pour mettre en avant une montre phare, a annoté les produits avec des images sympathiques, a poussé des marques, et une touche comportementale seulement pour les gens qui arrivent de Google ou de la recherche avec le mot-clé « bague », habiller la page d'accueil pour une mise en situation, pour être plus convaincant et pour avoir un atterrissage plus pertinent. La technologie, c'est bien. On a parlé de l'importance de l'organisation, de la coordination des équipes pour avoir plus d'agilité. Il est possible aujourd'hui de mettre un binôme, un responsable marketing qui est capable donc d'imaginer, de concevoir des campagnes qui sont alignées avec des objectifs business, et puis des ingénieurs, des data scientists, donc des gens plutôt techniques qui sont capables d'exécuter, de mettre en œuvre très rapidement ces campagnes. Et puis par un processus agile, c'est-à-dire des réunions très fréquentes, courtes et très fréquentes, arriver à itérer très rapidement, à observer, à expérimenter, à tester. Un autre exemple, le site de Pichet qui a réussi quasiment à doubler son taux de conversion par une combinaison d'expérimentation basée sur l'A/B testing, avec des changements, des améliorations de mise en page, d'ergonomie de navigation, de contenu, et puis aussi par des campagnes comportementales avec géolocalisation pour personnaliser les visites, pour proposer aux internautes, dans ce cas, des biens immobiliers qui sont proches de leur résidence. Ça fait un petit peu rêver, doubler son taux de conversion, c'est quelque chose d'assez remarquable, surtout que ça a été fait en 3 mois de temps seulement. Effectivement, si Pichet, s'ils utilisaient son équipe interne de développement, ils n'auraient pu faire que 3 itérations, puisqu'ils ont un cycle de mise à jour du site mensuel,
alors que grâce à une organisation et à une technologie agile, ils ont pu en faire 19. Okay. Ça n'a pas toujours, donc les campagnes qui ont été menées n'ont pas toujours été positives, donc il y a eu des hauts et des bas, mais ce qui est très important, c'est donc d'expérimenter en permanence, puisque si on expérimente, on peut se rendre vite compte qu'on s'était trompé, qu'on a échoué, et puis on peut aussi, bien sûr, en apprenant de nos erreurs, arriver à réussir plus rapidement. Voilà un petit peu les quelques mots d'introduction que j'avais à vous dire. Et puis je voulais proposer à Laurent Mocor de nous parler aussi un petit peu de son expérience chez Mati. Oui, alors d'abord, avec beaucoup d'humilité à propos du marketing agile, parce qu'on n'oublie pas que Mati vient de la vente à distance traditionnelle papier, donc on apprend l'agilité, on est en chemin hein, pour être plus agile peut-être que nous ne l'étions auparavant. En quelques mots, Mati, c'est une entreprise qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est une PME de province qui appartient à un actionnaire familial unique, et c'est une entreprise qui aujourd'hui a la particularité d'être non pas sur deux canaux, mais d'être sur trois canaux. Le canal historique, n'y voyez pas de référence particulière, mais le canal historique qui est le catalogue que tout le monde connaît, catalogue papier, un site internet depuis un site e-commerce depuis 2001, et puis une trentaine de bijouteries en France que nous sommes en train de développer. Ce que l'on peut dire, c'est que la première chose sur laquelle nous avons travaillé en termes de stratégie des moyens, en tout cas, c'est de faire en sorte de bien partager les rôles au sein de notre équipe qui gère le site e-commerce entre ce que nous faisons à l'interne, avec des compétences qui sont celles de nos salariés et qui travaillent sur la performance de notre site, et puis ce que l'on fait en extérieur. Si je devais dire en quelques mots, qualifier le marketing agile et notamment l'intervention de Devatix, je dirais que c'est un très bon remède pour les directeurs généraux impatients, dont je fais partie, parce que sur Internet et sur notre relation avec les clients, on est parfois amené à manipuler des sommes de données très importantes. Et quand on lance des process, notamment sur des mailings en chaîne et compagnie, ce que je redoute toujours, c'est ce que me disent les informaticiens sur les développements, les bases de données, le temps que ça prend. Alors ça finit souvent par payer. Et puis, à l'inverse, il y a ce que nous a proposé depuis maintenant près de 2 ans Devatix, qui permet effectivement d'aller assez vite, d'avoir des résultats, et en tout cas de tester et d'avoir des résultats relativement rapides. Et je vous propose de voir quelques exemples. La première chose sur l'A-B testing, ça permet par exemple, on va le voir après je crois, sur des fiches produits, de faire des tests sur des pages et sur des fiches produits tout à fait différentes, en présentant le même produit une fois sur une photo nature morte classique, et puis dans une autre présentation sur un test au porté, et de mesurer très rapidement les différences de performance, de manière à derrière rentrer sur des développements plus lourds, des programmes photos, pour faire en sorte de hiérarchiser par exemple les photos sur lesquelles, le type de bijoux sur lequel on doit investir dans des photos au porté. Alors pour le collier, c'était particulièrement spectaculaire, puisqu'on a près de 20% supplémentaire de taux de conversion. On a également fait un test, par exemple, sur le menu déroulant, qui nous a permis de voir qu'on a une augmentation du nombre de pages visitées, suivant qu'on a un menu qui va être découpé, ou un menu qui était notre menu originel, qui était plus général. Ça marche aussi sur des jeux qui nous permettent de manière très simple de mettre en place des jeux qui nous permettent évidemment de collecter de l'adresse et de faire en sorte que des clients ça s'inscrivent aussi à nos newsletters. Et puis ça permet aussi de s'adapter très vite à une certaine actualité. Alors j'aimerais que cette actualité soit plus fréquente, mais il se trouve qu'on a eu très récemment les honneurs du journal de 20h au travers d'un reportage qui a montré Mati sous son angle d'entreprise qui avance et qui recrute, connaissant la puissance du média et de la chaîne numéro 1 en France qui est TF1, je savais que ça allait forcément bouger en termes d'audience sur le site, et comme l'angle et le prisme de ce reportage étaient sur l'emploi, on a préparé un accueil aux gens qui allaient se connecter et qui allaient éventuellement envoyer leur candidature. Et ça s'est fait extrêmement vite parce que vous n'avez confirmation de la diffusion d'un sujet aux 20h qu'environ à 17h30, 18h. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est inscrit au conducteur, j'ai transmis les informations aux équipes qui se sont tournées vers Devatix et on a pu mettre en place extrêmement rapidement à la fois un accueil pour les gens qui allaient candidater chez Mati et puis également un message plus commercial pour
je dirais, faire un peu plus de business par rapport au trafic. Voilà, donc en quelques mots, aller vers le marketing agile, c'est être capable de tester un certain nombre de solutions alternatives de manière rapide, avec peu de développement. Il y a de la technique derrière, hein, il y a de la technique, il y a un peu de mathématiques, mais sur des sujets qui vont vite et qui permettent derrière d'inscrire dans le dur un certain nombre de choses de manière assez efficace. Voilà pour le marketing agile chez Mati. Merci beaucoup Laurent. Merci. Puis je passerai la parole à Katia Ersar, DTS Marketing de la FNAC. Katia, si. Merci. Bonjour à tous, donc Katia Ersar, directeur marketing de la FNAC. Ça comprend l'ensemble des leviers marketing, qu'ils soient offline ou online, les réseaux sociaux, le CRM, la carte. Adhérent FNAC est une partie importante de notre business, puisque ça représente plus de 50% du chiffre d'affaires. Donc l'agilité, c'est effectivement, et on l'aborde de manière assez humble comme Laurent chez Mathis, c'est une question de perspective. Donc on a le sentiment en tout cas qu'on est plus agile qu'avant, c'est une volonté, c'est un souhait, c'est aussi une nécessité puisqu'on est sur des marchés extrêmement chahutés et puis qui changent et qui évoluent très très vite. On se parle de nouvelles technologies par exemple, donc on se doit d'être rapide. Agile est un meilleur mot puisque ça suppose de pouvoir s'ajuster et de pouvoir travailler au mieux, au plus proche du business pour accroître tout simplement son rendement et sa performance. Quand on se parle d'agilité, pour nous, c'est d'ores et déjà la structure. Il faut être organisé pour être plus agile, à la fois au niveau technique, mais également au niveau humain. Au niveau technique, en fait, il y a 3 ans à la FNAC, on a intégré l'ensemble des bases de données. Il y avait à peu près 10 bases de données qui s'étaient construites au fil des années, entre le site internet d'un côté, les magasins, la billetterie et d'autres, le SAV par exemple, puisqu'on a à peu près une quinzaine de points de contact avec les clients. Donc au fil de l'eau, donc on a intégré l'ensemble de ces bases de données, ça nous a pris déjà 2 ans, avec un référentiel client unique, quels que soient les points de contact clients, donc également mobile, également sociaux, donc ça nous permet d'intégrer l'ensemble de cette connaissance client dans un seul et même référentiel, et ensuite ce référentiel sera une plateforme pour activer des points de contact de plus en plus digitaux. L'organisation, donc c'est le deuxième point structure, à la fois donc, être très clair donc, en tant que leader marketing vis-à-vis de ses équipes sur la vision, donc tout le monde doit être aligné sur ce qu'on vise, et ensuite pouvoir être innovant et créatif dans les moyens. Ça suppose aussi d'intégrer les canaux. Alors, on parle beaucoup de multicanal, de cross-canal, on va dire que c'est quand même assez proche, hein. Ensuite on peut chercher des différences, d'omnicanal. Bref, en tout cas pour un retailer, un distributeur comme la FNAC, c'est d'avoir une vision intégrée entre les magasins, le site internet, mais également le mobile, qui est pour moi la plateforme parfaite et relationnelle par essence entre ces deux réseaux. Il y avait vraiment un fonctionnement différent, des marketings différents. On a intégré l'ensemble de cette réflexion tout simplement pour mieux suivre les clients et être capable ensuite de développer des synergies budgétaires. Et ça, c'est le troisième point, puisque on a eu un vrai choix pour être agile, c'est d'être plus digital et puis surtout de centrer l'ensemble de tout ce qu'on va faire sur la donnée client. Donc ça a été abordé ce matin, le budget, c'est à peu près 60% sur le digital et le CRM à la FNAC en 2013. C'est un saut quantique. Avant, on faisait 140 brochures. Il y a 2 ans, on en fait plus que 8. C'est pour vous donner, en tout cas, une idée du chemin parcouru, même si on peut encore aller au-delà. Et le catalogue papier qui est resté, et on souhaite le garder parce que c'est un outil relationnel avec un taux de rendement très fort puisqu'il est envoyé aux porteurs de la carte, donc ceux qui ont la plus haute contribution, donc un taux de rendement qui fait et qui justifie qu'on garde cet outil. On s'est concentré sur cet outil, on l'envoie à 1,5 million de personnes, donc là aussi un ROI, en tout cas au coût passé par page, très intéressant. Tout le reste est passé en digital et en CRM, et le digital pour nous a une vocation bien évidemment de capter, en tout cas on va tout faire pour capter la donnée client. La FNAC c'est 5 millions de clients actifs, donc on peut toucher par email 5 millions de personnes, c'est ce qu'on fait pour nos campagnes. On envoie à peu près 875 millions d'emails par an. Pour vous dire que c'est un outil très puissant, ça représente une part très très importante du chiffre d'affaires, on se parle de millions d'euros. Le fait d'avoir une base intégrée, ça nous permet de piloter nos investissements, d'orienter les actions entre les magasins, le site internet. On a créé des ventes privées par exemple
en magasin et des ventes privées sur le web qui sont assez complémentaires. Donc on a un dispositif emailing, mobile, et ça c'est aussi un des points des chevals de bataille dans le marketing agile, c'est un outil formidable sur lequel nous on investit beaucoup. Et je pense qu'on en est encore qu'au démarrage puisqu'on en apprend tous les jours. Mais en tout cas c'est un outil relationnel, hein, en plus d'être un outil transactionnel puisqu'on a un site mobile et puis une application où il y a à peu près 2 millions de téléchargements. Mais on a aussi toute une logique relationnelle, donc d'événements, de dialogue avec les clients. Donc on annonce des ventes privées en magasin, sur le site. On présente des événements musicaux, des concerts privés en magasin, des lancements de produits. On va coupler le tout avec une orchestration forte des réseaux sociaux. Et ça aussi, c'est le quatrième pilier d'un marketing agile, digital, mais également communautaire. La FNAC, il faut savoir que c'est une marque communautaire qui est née en 1954 avec Maurice Lévy parlait de son premier codage de personnalisation en 67, mais nous il y avait déjà du CRM en 54 avec la carte, alors on était plutôt sur du papier à l'époque, mais c'est vrai que cet esprit communautaire fait partie de la marque, donc pour nous c'est core business, hein, et de pouvoir le développer, l'enrichir avec de la vidéo par exemple, via les réseaux sociaux, via le mobile et avec une politique emailing puissante, c'est vraiment ces leviers-là qu'on développe. Et puis le multicanal, je l'évoquais, donc on a d'un point de vue marketing une vision totalement intégrée, c'est-à-dire que finalement on est un peu la Suisse au niveau commercial, hein, puisqu'en fait, quels que soient les canaux, nous ce qui va nous intéresser c'est que le chiffre d'affaires rentre à la FNAC. Donc on va vraiment jouer la complémentarité dans les actions drive to web ou store, pourvu que le client ne soit pas perdu, qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette, et qu'au final, on soit extrêmement performant, quel que soit le canal, et surtout si on peut lui faire acheter sur les deux, on se retrouve avec des paniers et des valeurs clients qui sont extrêmement élevés. Et c'est notre indicateur d'un point de vue marketing, on suit le chiffre, on suit le rendement des actions, on fait du test and learn, et puis surtout on suit la valeur des clients. Et le marketing agile, c'est vraiment, je crois, permettre de pouvoir accroître la valeur des clients sur la carte. Je l'évoquais, ça représente plus de 50% du chiffre d'affaires. Donc on se parle de quasiment 2 milliards d'euros. On a développé un programme CRM relativement poussé. On peut toujours aller plus loin, mais en tout cas, on a testé beaucoup de choses du fait du référencement client unique, donc ça nous permet d'être beaucoup plus agile aussi et pertinent, et pour le coup de développer des nouvelles opérations. On fait des ventes flash en magasin, alors ça peut paraître, c'est un peu le symbole du digital en magasin, on parle d'e-commerce in-store, où on est capable d'avoir des opérations coup de poing en 3 heures, mises en place, puisqu'on a développé des kits aussi en magasin, là aussi pour être très agile. Et puis focusser sur nos adhérents parce que c'est là où on a les meilleurs taux de rendement, on a des clients qui ont à peu près 8 fois plus de valeur une fois qu'ils ont été travaillés efficacement en CRM sur 2 ans. Donc test and learn comme chez vous, rester très humble aussi, je pense qu'il faut savoir se remettre en cause perpétuellement, ne pas hésiter à bousculer tout en restant focus. Je pense que d'un point de vue dirigeant marketing, moi ce que je retiens aussi c'est qu'il faut toujours trouver l'équilibre entre changer, innover, aller vite, tester des nouvelles choses et en même temps garder le cap. Donc c'est toujours un doux équilibre à bien mener. Clairement dans les prochains projets on a tout ce qui est segmentation prédictive, là aussi d'un point de vue business c'est très important, et puis aller plus loin sur les réseaux sociaux. Voilà, merci. On va passer aux questions maintenant, si vous voulez bien. Alors, quelle est la première question, s'il vous plaît? Merci Katia. Merci à vous. D'accord. L'exercice veut que l'on débatte de 3 questions dans le temps imparti. Donc, nous allons avoir 10 minutes par question. Je vous propose de commencer par une question qui peut être... 2 questions. Ah pardon, on va prendre des questions, pardon. Oui. Bonjour, ma question s'adresse à la FNAC. J'aimerais bien en savoir plus sur votre... Je suis là. J'aimerais bien en savoir plus sur votre organisation. Vous parliez d'intégration du multicanal. Du coup, comment vous vous êtes organisé au sein du marketing? Est-ce que vous avez une entrée par canal, par cible, par médium, par expertise? Comment vous vous êtes réorganisé? Alors déjà, on a intégré l'ensemble des disciplines marketing au sein d'une même équipe.
Donc, il y avait des équipes qui étaient dédiées au site web, par exemple les équipes ICRM, donc, qui travaillaient basiquement l'emailing vers le site web. On les a intégrés avec les équipes marketing direct dites papier, magasin. Donc, c'était assez binaire hein, à l'époque. C'était il y a 2 ans, donc c'est pour vous dire qu'on a été agile dans la transformation. En tout cas, ça paraît loin maintenant, donc ça veut dire que c'est plutôt une bonne chose. Donc, on a mis toutes ces équipes ensemble. On a vraiment créé des synergies entre à la fois les lieux, en tout cas les canaux qu'on allait pousser, et puis également les leviers, puisque pour nous, par exemple, tout ce qui est emailing, et j'entends le remarketing, le retargeting, et tout ce qui est technique ICRM, va à la fois pousser donc, des offres liées au canal web, mais également au magasin. On va travailler la complémentarité, parce que l'idée, c'est de ne pas se cannibaliser, donc de vraiment accroître le panier dépensé à la FNAC. Donc sur certains produits, on va plutôt mettre en avant les magasins, et sur d'autres, le site web. Ça, c'est un exemple de changement. Avant, c'était purement web. Voilà, les messages étaient vers le site web. Sachant que le site est devenu une vitrine, enfin, ça l'était déjà il y a 3 ans, mais encore plus maintenant, c'est une plateforme de visibilité pour la vente directement liée au site, donc le chiffre d'affaires généré par l'e-commerce, mais également en magasin, on a développé le retrait magasin. À Noël, ça représentait 40% des transactions, donc c'est énorme. Et du coup, ben, on voit bien que le fait d'avoir intégré toutes les équipes marketing, donc c'est l'achat média offline, online, le ICRM, le CRM, les réseaux sociaux, les études, le data mining, qu'il soit magasin ou web, est vraiment dans une seule et même équipe. Et ensuite, on a plutôt une logique client. Donc, on va travailler des bassins de clients avec une segmentation donc, basée sur un référentiel client unique par valeur. Pour certains, par affinité. Pour certaines campagnes, on sera vraiment par affinité produit. Et puis, autour de la carte de feed qui est vraiment cœur business chez nous, ça représente voilà, 50% du chiffre d'affaires. Donc ensuite, les canaux seront un atterrissage. Ça peut être aussi sur le mobile, par exemple. Mais pas... en tout cas, la vision sera vraiment client à la base. Voilà. Merci. Merci. Deuxième question. D'autres questions ? Ah, attendez, j'ai une petite question derrière vous. Bon. Bonjour, Yvan Boudillet, IMI. Une petite question. Vous avez, il y a un travail titanesque qui a été accompli à la FNAC d'intégration avec des systèmes que vous maîtrisez. J'avais une question. Est-ce que l'agilité, elle est aussi facile à maîtriser et à conduire quand on travaille avec des acteurs partenaires comme iTunes sur la musique notamment et sur le partage de la data, j'entends, et sur le ciblage. Est-ce que c'est des choses faciles à mener, ce type de transformation dans votre modèle? Alors, la data, bien évidemment, c'est clé. Je l'évoquais, pour nous, tout ce qu'on va faire va vraiment tourner sur le fait de récupérer la donnée des clients. Et là-dessus, je dirais qu'on a des grands acteurs mondiaux qui l'ont compris depuis bien longtemps. Et c'est le nouveau pétrole. Je pense qu'une fois qu'on a la donnée client, alors elle peut être email, mobile, en termes de coordonnées. Elle peut être aussi plus liée à leurs connaissances, à leurs pratiques d'achat. Donc pour nous, effectivement, c'est assez central. Et on souhaite être propriétaire de la donnée. Donc ça veut dire qu'effectivement, toutes les mécaniques marketing qu'on va mettre en place, sur lesquelles on va investir, on acceptera d'investir peut-être de manière plus forte, si on est en tout cas sûr, ou plus ou moins sûr, in fine, d'obtenir cette donnée, qu'on ne souhaite pas partager. Et d'ailleurs, c'est un sujet avec tous les débats sur la CNIL à l'heure actuelle, hein, puisque la donnée devient vraiment savoir qui est propriétaire, qui ne l'est pas. Donc, en ce qui concerne iTunes et Apple, ils sont propriétaires des données, puisque vous inscrivez, vous créez un compte, donc ça veut dire que la donnée est chez eux. Donc nous, tout leur jeu, ça va être de faire en sorte que l'inscription du compte se fasse sur notre référentiel client unique, et à ce moment-là, donc, vous êtes dépositaire de la donnée qui va vous permettre ensuite de l'utiliser ou pas. Donc l'optimisation est clé. On y travaille ardemment. On a plutôt des bons taux, puisqu'on a une marque et des produits qui sont assez engageants. Mais clairement, en tout cas, l'indépendance vis-à-vis de la donnée est assez, assez centrale. Et donc, du coup, le lien avec les grands acteurs mondiaux est un challenge. Merci. Et intéressant. Merci. Je te redonne la parole, Romu. Je suis désolé. Merci. D'avoir perturbé. Il reste 25 minutes. Du coup, je propose qu'on prenne du coup 8 minutes par question que tu annonces pour débattre ensemble par table. D'accord. Merci. Et puis c'est la deuxième question. Donc, première question, est-ce que vous pensez qu'il y a intérêt pour personnaliser son offre, son mix marketing en temps réel? Est-ce qu'il y a besoin d'aller jusqu'à proposer à des internautes individuellement ou par petits groupes des offres adaptées afin d'optimiser sa conversion, d'optimiser son, son,
ses ventes. Donc, est-ce que c'est légal? Donc, il y a Raphaël Fétic qui nous demande est-ce que c'est légal? Et pourtant, on le fait d'une manière ou d'une autre. Donc, en postant des promotions ciblées, on adapte naturellement son offre. Donc, ce qu'on va faire, donc on va se mettre auprès des tables et puis on va essayer de répondre à cette question.